is our oppressor. We shall prevail. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon week-end. Bienvenue à toi Piu-Piu, bienvenue Costa, j'espère que tout va bien, que vous allez bien, GG d'ailleurs pour les levels. Donc je lis rapidement hein, ce que vous avez marqué. Iron Maiden, hein, The Number of the Beast. Oui, pourquoi pas, effectivement. Donc on se retrouve aujourd'hui avec Génération Télé. Génération télé qui met à l'honneur, je le rappelle, un petit et grand écran via une série de questions hein, à laquelle doit répondre un challenger qui affronte, hein, comme vous pouvez le revoir via les deux barres de points, affronte l'ensemble des viewers. Donc je ne sais pas combien on est, ouais, on est 4, hein. On est 4 dont pas mal de bots hein, j'imagine, donc, voilà, c'est toujours ça. Là non, il y a 3 humains et un robot, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Donc le principe est très simple, hein. Challenger en vocal, cette fois c'est d'ailleurs l'un des rares jeux où je fais un truc en vocal, hein, avec le Camoulox, hein. Mais bon, le Camoulox c'est quand même un peu particulier. Le but étant de débloquer les niveaux. Chaque niveau, 3 bonnes réponses hein, sur le niveau 1, ça débloque le niveau 1. Et à la fin, c'est celui qui aura le plus de points et donc le plus de niveaux débloqués entre le challenger et les viewers qui remporte la partie. Sachant que bon, c'est vraiment pour le fun puisqu'il n'y a rien à gagner là. Voilà. Petit truc hein, que moi j'aime beaucoup, comme vous pouvez le voir, hein, le niveau 1, hein, ce sont des questions concernant le cinéma, la télévision, enfin les séries télé et les émissions télé. Salut à toi ma petite fraise, comment vas-tu? Donc de 2010 à nos jours. Niveau 2, c'est donc de 90 à 2010. Niveau 3, de 70 à 90. Et niveau 4, de 1960 à 1970. Et toujours en répondant aux questions cinéma, série télé et émissions de télé, donc divertissement, spectacle ou autre. Hein, nous avions la dernière fois hein, appris que une émission a duré presque 20 ans et c'était une émission sur la philatélie. Hein, donc voilà, la télé proposait des trucs. Hein, bon, c'était autre chose, hein, il n'y avait pas de Nabila, il n'y avait pas de Stevie du Loft, hein, voilà, il n'y avait pas tous ces magnifiques
individus lobotomisés que nous sommes capables aujourd'hui d'apprécier, malheureusement, c'est ça qui fait un peu peur. Mais la télévision et le cinéma offraient, il y a quelques années, oui, effectivement, des petites choses fortement sympathiques. Est-ce que quelqu'un veut affronter le chat? Est-ce que quelqu'un veut être Costa, hein, je vais même te dire que tu es désigné d'office, puisque t'es déjà dans la partie Génération TV du Discord. Voilà, hein, c'est je suppose hein, que c'est toi qui a envie de jouer et envie d'affronter les viewers en répondant à mes questions comme d'habitude. Mes questions de pute, hein, bien sûr. Hein, tu sais très bien que j'ai des questions de pute. Ça, c'est voilà. Ah bah allons-y, oui, comme disait le dixième docteur. Donc par contre, je vais quand même te foutre en vocal, parce que faut que ce soit du... Ah bah oui, non, mais c'est vrai, t'as pas de micro, toi, il me semble, Costa. Je sais plus, je m'en rappelle plus. Question de pute, ça. Ouais, 50 euros seulement, un système de succion, hein, qui permet d'avoir des questions moins difficiles. Oui, donc pas de micro, ok, d'accord. Donc tu répondras sur le chat et faudra bien sûr, hein, essayer de répondre plus vite que les viewers s'ils connaissent la réponse. Bien sûr, il y a un timer qui est là en revanche de 1 minute. Toi, Costa, tu as l'avantage de disposer, comme petite salut à toi, Roland, l'avantage de pouvoir disposer du décalage de Twitch, contrairement aux autres viewers, hein, pour pouvoir répondre avant. Donc les premières questions, bien sûr, seront très faciles. Mais les viewers, eux, vont disposer comme petit bonus, hein, d'avoir le droit d'aller piocher les infos sur Google et autres moteurs de recherche existants. Oui, parce qu'effectivement, Google ne représente que 5% du moteur de recherche général d'Internet. Hein, sinon, c'est pas, disons qu'en gros, pour faire simple, c'est pas avec Google qu'on va pouvoir s'acheter une arme, par exemple. Mais il y a d'autres moteurs de recherche qui permettent de outrepasser la politique bien pensante de Google. On est parti donc niveau 1, hein, donc 3 questions par fiche de niveau, hein, une question cinéma, une question série télé, une question émission télé. C'est donc, première question, c'est une question cinéma, niveau 1, on est donc de 2010 à nos jours. Est-ce que tu es prêt, Costa? Allez, on y va. Quel est le film réalisé en 2015 par Alex Garland avec Domhnall Gleeson et Alicia Vikander et est un film sur l'IA d'anticipation? L'intelligence artificielle d'anticipation, petit timer. Voilà que le timer ne va pas vouloir se lancer. En fait, aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Comme je disais tout à l'heure, c'est moi qui picole hier pour mon anniversaire et c'est ma connexion qui a tout absorbé. C'est impressionnant. Alors, c'est Diceus. Hein, Diceus, effectivement. Diceus a marqué le point pour les viewers. Hein, remerciez-le. Hein, il a marqué le point pour les viewers. Effectivement, c'est Ex Machina. Ex Machina, qui est d'ailleurs un très très bon film, que je vous recommande si vous ne l'avez encore jamais vu. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Question maintenant, série télé, on est toujours de 2010 à nos jours. Quelle série de Dan Fogelman avec Kylie Minogue et Timothy Olmutson est une série sur la danse et le chant? Ah, là, par contre, c'est un peu plus hardcore tout de suite, hein, parce que des séries où ça danse et... Ben non, ce n'est pas Step. Ce n'est pas Aucune Idée non plus. Ceci dit, le jour où ils font une série qui s'appelle Aucune Idée, tu auras ta chance de marquer un point. Bon, ça sera pas mal. Je te taquine, Costa. Il reste 20... Allez, 20 secondes. Un peu plus de 20 secondes. Personne ne l'a. Non, ce n'est pas Just Dance. 5 secondes. Et
personne n'a eu la bonne réponse, hein, ni le challenger, ni les viewers, et c'était donc Galavant. Enfin, je sais pas comment ça se prononce, Galavant ou Galavant. Donc une série que je ne connais absolument pas. Que j'ai découvert en faisant mes questions, et que je ne suis pas allé regarder pour autant. Exactement, c'est pas du tout moi aussi le type de série qui va m'attirer plus que ça. Émission télé maintenant. Quel jeu télé présenté par Alex Good depuis 2012 sur M6 se nomme au Québec Une minute pour gagner. Minute pour gagner, ta belle nac. Ça doit être pas mal quand même présenter ça. Et ce n'est pas le juste prix, mais c'est pas loin. Est-ce que quelqu'un a la bonne réponse? Est-ce que quelqu'un peut connaître cette émission, hein? Alex Good, hein, présentée sur M6, hein, depuis 2012. C'est... Ah non, 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 ce n'est pas... Non, non, le big deal, c'est la gaffe. Et c'est pas M6. C'est le juste time non plus. Non plus, non plus, il reste un peu plus de 5 secondes. Et c'est fini. Alors, cette émission, hein, de ce jeu télévisé, hein, donc présenté par Alex Good, hein, qui apparemment depuis 2012, hein, sur M6. Après, là, actuellement, n'ayant pas de télé, forcément, je sais pas si elle est encore d'actualité ou quoi, hein, je pense que si, hein, pourquoi pas. Ce n'était pas le Morning Live. Au Québec, elle s'appelle donc Une minute pour gagner, toi. Mais en France, elle s'appelle 60 secondes chrono, en fait, hein, tout simplement. C'est 60 secondes chrono. Eh oui, Costa, c'était 60 secondes chrono, c'est ça. Alors, maintenant, question de niveau 2. Et salut à toi, Walmart Kid, comment vas-tu? Question niveau 2, donc je rappelle, niveau 2, on est entre 90 et 2010 sur les questions cinéma, série et émission télé. On continue. En 95, quelle comédie française réunit Patrick Timsit, Fanny Ardant, Richard Berry et Michel Larocque? Non, je n'ai pas le Père Noël, la tune ordure, et salut à toi, Bigor d'ailleurs. Je ne t'ai même pas dit bonjour, excuse-moi. Excuse-moi de mon impolitesse, je ne t'avais point vu. Bah, y'a pas un an, y'a pas un an, y'a pas de boobs. Non, pas encore en tout cas. Pas encore. Après, ça peut venir, hein. Une fois que le jeu est terminé, hein, je peux continuer un talk show et vous montrer de la merde. Hein. Là, y'aura pas de problème. Et ce n'est pas la cage aux folles, mais son n'est pas loin, il reste 10 secondes. Ni gazon maudit. Ce n'est pas non plus Two Girl One Cup. Et oui, Pédale Douce. Effectivement, mais en dehors du timer, malheureusement. Mais effectivement, c'est Pédale Douce. Dissous avait la bonne réponse. Ouais, en dehors du timer. Mais ouais, Pédale Douce avec donc Patrick Timsit, Fanny Ardant, Richard Berry et Michel Larocque. Et c'était donc c'était pas la soupe au chou, hein, bien sûr. Série télé maintenant, on est toujours entre 90 et 2010. Dans quelle série américaine de 2005 à 2009 peut-on entendre dans la version française un générique commençant par « J'ai pas le temps » ? Ouais, premier point pour toi, Costa, effectivement. C'est Prison Break, dont le reboot existe aujourd'hui. Bon. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. En même temps, ils ont bien réussi à refaire MacGyver, qui ne ressemble pas à MacGyver, bon. Et je crois d'ailleurs que Magnum est prévu, hein, donc Magnum, voilà, sans Tom Selleck, et surtout sans Zeus et Apollon, hein. Voilà, ça va être très bizarre, quoi. C'est, ouais, voilà.
Émission de télé maintenant, toujours 90-2010. Quel jeu télé présenté depuis 98 par Vincent Lagaffe avait comme co-animateur l'extraterrestre Bill? Celle-là, elle est donnée. Et oui, c'était le big deal, deuxième point. Effectivement. Oui, effectivement, Abigor. Donc, Costa profite hein, du décalage de Twitch. C'est son petit bonus. C'est voilà, c'est sa petite tricherie. Mais s'il ne répond pas en tac au tac, comme là, il a fait avec le Big Deal hein, ou Prison Break, les viewers, eux, donc vous, hein, vous avez la possibilité, en revanche, de rechercher avec les informations que je donne. De rechercher la réponse sur internet, chose que n'a absolument pas le droit le challenger. Donc chacun a sa manière peut tricher, hein, quelque part. L'un en termes de temps et l'autre en termes de pouvoir aller piocher les infos qu'il faut. Et on passe maintenant au niveau 3. Et oui, avec Ramucho, tout à fait. Le Péruvien. Niveau 3, donc ce sont maintenant des questions de 70 à 90. Ça devient plus compliqué. Je ne suis pas convaincu que cette fois Costa puisse faire du tac au tac de la même manière. Catégorie donc cinéma. Dans La soupe aux choux de Jean Giraud, sorti en 1981. Quel est le nom du personnage interprété par Louis de Funès? Donc pas le surnom, le nom. Nom, prénom. Non, là ça c'est le surnom. Le Glaude, le Bombé à la denrée. Ce sont des surnoms. Et ce n'est pas Augusto Pinochet, mais ça aurait pu. La... Oui, oui, effectivement, c'est dit, c'est où, c'est fait. Eh oui, oui, c'est Claude Ratigné. Claude Ratigné était donc le nom du personnage interprété par Louis de Funès. Hein. Donc, Claude Ratigné dit le Claude. Voilà. Heureusement qu'il sait où c'est là. Enfin, je dis ça. Série télé maintenant. Dans la série télé Alf, quel est le plat préféré de cet extraterrestre? Celle-là, elle est donnée. Je suis trop jeune pour ces conneries. Eh oui, Costa, effectivement, c'est les petits chats. Et avec cette magnifique réponse des petits chats, ça te permet de débloquer le premier niveau. Émission télé maintenant, toujours de 70 à 90. Quel jeu télé de France 3 fut présenté de 88 à 2016 par Julien Lepers? Celle-là aussi, elle est donnée. Et oui, effectivement. Effectivement, c'est question pour un champion. Aujourd'hui, c'est pas pareil quand même. Mais... Niveau 4 maintenant, niveau 4, et c'est donc la dernière série des 3 questions pour cette manche. Donc là, il y a encore la possibilité aux viewers de marquer les 3 points, puisqu'ils peuvent rechercher sur internet, hein, donc ils peuvent parfaitement remporter la partie, et ça s'est déjà fait plus d'une fois. Et peuvent également donc carrément la gagner là, puisque 3 points, ça leur fait 1 point de plus que Costa, à condition qu'il ne marque plus. Donc niveau 4, ce sont donc des films, séries et émissions de 1960 à 1970. Et on est parti avec cette question cinéma. Dans quel film de Terence Young de 69, Bourville nous fait-il tous pleurer? Dans quel film de Terence Young de 69, dans quel film Bourville nous fait-il tous pleurer? Oui, Diceus, l'arbre de Noël, effectivement, l'arbre de Noël. Très joli film. Et Diceus fait également ouvrir le premier level. GG à toi, Diceus. Série télé. Quelle série américaine de 66 nous fait vivre les aventures de la vétérinaire Marge Tracy, Judy et Clarence?
Et c'est Costa. C'est Costa qui marque. C'est Costa avec Daktari, effectivement. Qu'est-ce qui t'a mis sur la voie? C'est Clarence, peut-être. Clarence, oui, Clarence en série télé. Daktari, oui, tout à fait. Émission télé, maintenant, c'est la dernière question. Donc là, on peut dire que c'est toi, hein, Costa, qui a remporté la partie. Quel jeu télé diffusé à partir de juillet 62 et présenté par Guy Lux et Léon Zitrone faisait s'affronter deux villes sur diverses épreuves? C'était effectivement Interville et Costa avait encore répondu. Donc Costa, bah en gros, t'as débloqué hein, deux niveaux. Donc c'est Costa qui remporte cette manche. GG à toi. Bravo, bravo, bravo. On s'en fait peut-être une autre. Est-ce que tu veux rester en tant que challenger, Costa? Ou est-ce que tu laisses ta place à quelqu'un sur le chat? Sachant que si tu laisses bien sûr ta place, ce sont les viewers qui vont désigner le participant qui, à leur goût, a le plus la possibilité de pouvoir répondre à mes questions. Et donc d'être un adversaire coriace à battre. Et donc GG pour les levels, Abigard, Diceus, Piu Piu, Roland, Walmart et Fraise. Mais je veux continuer face à Costa. Ah ouais, pourquoi pas, Piu Piu, ouais, c'est une bonne idée. C'est une très très bonne idée. Si Piu Piu est chaud bouillant, à ce moment-là, ouais, il peut remplacer Costa pour cette nouvelle partie. Pourquoi pas? Allez, donc je t'accorde le rôle qui va te permettre d'accéder au salon. Voilà. Et normalement, maintenant, tu peux nous rejoindre dans le salon GTV. Piu piu, nous t'attendons. Allez, hop, je te glisse. Voilà, bienvenue. Ah oui. Ah, par contre, attends, parce que je suis pas sûr qu'on t'entende, moi. Ah bah oui, non, bah, j'avais commencé à entraîner moi mon estomac un petit peu avant en fait, hein, parce que je savais que j'allais pas tenir. Attends, on a fini à 2h du matin, un peu plus de 2h du matin, on était à la poire, hein, donc voilà. Imagine bien que. Ah, ouais, voilà. ce qui explique. 4h30. Ah, bah, ouais, après, moi j'ai regardé un ou deux épisodes de Doctor Who après, voilà, après je suis allé me coucher. Ou il devait être 3h et quelques quand je suis pas allé me coucher. Est-ce que tu es pris? Ouais, on va dire ça. Ouais. Donc par contre, Costa, hein, vu que tu seras, que tu es viewer hein, maintenant, hein, bien sûr, je vais te switch hein, pour pas que tu puisses bénéficier du décalage. Hein, sinon, c'est de la triche, hein. N'est-ce pas? C'est de la triche, n'est-ce pas? C'est la mer noire. C'est la mer noire. C'est la mer noire, dit Abigor. C'est la mer noire. La mer noire. Alors, si tu es prêt, on va pouvoir y aller. On est donc en niveau 1, donc ce sont plutôt des trucs assez faciles puisque c'est de 2010 à nos jours, donc c'est encore frais dans nos mémoires. Balance du Star Wars, bien. Non, par contre, quand tu vas arriver au niveau 4, tu vas avoir des questions de merde. Je te le dis comme ça. Mais attends. Je te vire pas comme un malpropre, Costa. Là, maintenant, tu vas pouvoir faire les recherches sur internet. Tu vois, tu vas donner autant de réponses. D'ailleurs, bravo pour ta victoire, hein, au passage. Donc, on est parti. Premier niveau. Quel film de science-fiction de 2014 fut réalisé par Christopher Nolan avec Matthew McConaughey et Anna Taoué dans les rôles titres? Star Wars. Non, c'est pas du tout, c'est pas Star Wars. Stratégie Ender. Non, c'est pas Star Wars. C'est en 2014. Ouais. Merde.
C'est pas Batman. Science-fiction. Solaris. Non, c'est pas Solaris. C'est pas The Dark Knight. Pas genre Jupiteria ou un truc comme ça, non? Non, du tout. Non, non, non. Donc Matthew McConaughey et Anna Taoué dans les rôles titres, film de science-fiction de Christopher Nolan. Ce n'est pas Batman contre les cow-boys et ni Batman contre les zombies. Ah, c'est pas Cowboy contre Alien, c'est pas ça. C'est ni Batman va à la plage et encore moins Batman découvre les joies du vélo sans selle. Donc, non, du tout, ça c'était un film de Steven Spermberg, c'est son homologue du porno. Non, c'est. Voilà. Stellaris. Et fin, non, fin du timer, c'était Interstellar. Interstellar. Batman et la Batmobile, exactement, mais ça c'est Francis Ford Coppola ça. Bipman et la brute mobile. La liste de Schindler. Non, c'était Interstellar, hein, le film donc de Christopher Nolan sorti en 2014, avec des rôles titres qui sont Matthew McConaughey et Anna Taoué. Et bien que Interstellar ressemble à Intermarché, les deux acteurs que je viens de citer ne sont pas des mousquetaires. Série télé, je rigole moi-même de mes conneries en fait. Série télé, série policière de 2016 mettant en scène le jeune Naz, qui après une soirée arrosée se réveille aux côtés d'une jeune femme baignant dans son sang. Quel est le titre de cette série? Ah là, je regarde pas de série de télé, moi je regarde pas la télé. Très 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 bonne série. Life is Strange, je sais Non. pas, merde, Mentaliste, non, c'est Non pas. plus, non plus. C'est une très bonne série qui fait en quelque part Insomnia, une étude Insomnia. sociologique, hein, des États-Unis, Profiler. de la justice américaine. York Pas du tout, pas du tout. Du tout. Avec Audrey Fourtou et Fabrice Lécuny. Oui, le Cuny, oui, tout à fait. Oui, Costa, effectivement, The Night of. Très bonne série. Donc ce sont les viewers. The Night of. The Night of, ouais. Ouais, magnifique série. Franchement, moi j'ai adoré cette série-là. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est toi, Fraise, hein, qui me l'avait fait découvrir, il me semble, si je dis pas de conneries. Émission télé maintenant. Quelle émission présentée par François Langlais sur France 2 à partir de 2014 est un magazine qui a pour sujet l'économie dans notre société? Que des sujets que j'ai horreur. C'est excellent. Eh bien, je dirais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne connais pas cette émission. Ce n'est pas Non, Dr. ça va Cac, être ni différent. 50 Minutes Inside, ni Capital. Chasse et pêche. Ce C'est n'est toujours pas pareil. Chasse et pêche. Et c'est Costa, l'angle éco, tout à fait. Ah, mais L'angle. c'est des trucs intellectuels. Moi, je suis des trucs très cons, en fait. L'angle éco. Ouais, on change de catégorie de questions. On remonte le temps, on est en 90. Et merci beaucoup pour le host de Champi, comment vas-tu? Bienvenue à toi. On est donc entre 90 et 2010 maintenant. Cinéma. En 97, quel film de Claude Berry réunit Daniel Auteuil et Carole Bouquet dans le rôle d'un Ah, le couple placard. emblématique de la résistance française durant la Seconde Ah Guerre non, c'est Papy mondiale? fait de la résistance. Ce n'est pas Papy fait de la Non. résistance. Papy fait de la résistance Casque est plus bleu? ancien. Ce n'est Non. pas Casque bleu. Ce n'est pas Coucou sur Telle, je ne connais pas d'ailleurs ce film. Donc je répète, un film de 97, quel film de Claude Berry réunit Daniel Auteuil et Carole Bouquet dans les rôles d'un couple emblématique de la résistance française? Et c'est Costa qui a la bonne réponse avec Lucie Aubrac, effectivement. Et t'aurais pas pu prendre les visiteurs? Ah ben non, déjà j'aurais pris les visiteuses pour commencer. Bah, Hein, d'ailleurs, visiteuse, éventuellement. j'ai de plus en plus Visiteuse. en fait envie. Hein, ok, ça marche, Fraise. Bah si tu lances ton live, j'essaierai de faire un raid hein, tout à l'heure, quand j'aurai fini. Et ouais, à bientôt, pas de soucis, à bientôt. Des bisous. Un raid, un retraité extrêmement dangereux. Oui, exactement. Exactement. Faut toujours se méfier. Faut toujours se méfier. Moi maintenant qui hein, avec mon anniversaire approche du déambulateur, faut se méfier, hein, des vieux, faut se méfier. Alors,
Alors, qu'est-ce qui se dit sur le chat? Donc, ouais, au revoir, à bientôt. Série télé maintenant. Qui interprète le rôle du docteur Daniel Jackson dans la série TV Stargate SG-1? C'est sérieux? Ouais, je suis très sérieux, c'est effectivement la question. Qui interprète le rôle de Daniel Jackson dans la série? Un mec avec des lunettes. Ouais. Et c'est encore Costa, effectivement, Michael Shanks. Ça, il est au taquet, Costa. Ah, j'avoue. Et non, ce n'est pas l'acteur de MacGyver, ouais, c'est le colonel Jack O'Neill, ensuite général, mais c'est O'Neill. Là, on cherche Daniel Jackson, et c'était Michael Shanks, effectivement. Émission télé, quel jeu télé présenté par Vincent Lagaffe entre 2005 et 2006 avait comme slogan « Qui repartira riche comme Crésus ?» Ah non, Crésus. Bah, Crésus, effectivement, premier point pour Piu Piu. Ouais, c'est quand je regardais encore la télé. J'ai arrêté. Donc, on change maintenant de niveau. On est entre 70 et 90. Et là, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Les questions vont être un peu plus chiantes. Cinéma. Quel est ce film de 1984 de Sergio Leone? Avec dans les rôles principaux Robert De Niro et James Wood. James Woods et Robert De Niro. Hit, non? Non. Non, c'est pas Hit. Non, ça c'est De Niro, Val Kilmer et Pacino. Ouais, et c'est ouais. Plus tard, je crois que c'est 93, si je dis pas de bêtises. 96, je sais plus. James Woods, c'est là où il fait un avocat, je crois, ou un truc comme ça, une connerie du film. Ah, ça après, je sais pas trop. Bon, rappelez-moi, je l'ai vu il y a longtemps ce film. Hein, donc, je sais plus trop comment. Ah oui, je viens de le voir. Effectivement, c'est Walmart. Walmart a la bonne réponse. Effectivement, c'est Il était une fois en Amérique. Ouais. Il était une fois en Amérique. Série télé, donc on est toujours de 70 à 90. Quelle série de 1980 avec Richard Chamberlain se situe au XVIIe siècle où le navigateur John Blackthorne échoue sur une plage japonaise? Donc ce n'est pas La petite maison dans la prairie. Ce n'est pas l'instit. L'instit. Ce ne sont pas les oiseaux qui se cachent pour mourir. Ce n'est pas le pont de la rivière Kouai. J'essaie de chercher un truc logique, mais. Ni les têtes brûlées. Alors cette série, je ne connais pas cette série. Donc série de 80 avec Richard Chamberlain, se situe au XVIIe siècle, où un navigateur du nom de John Blackthorne échoue sur une plage japonaise. Et bienvenue à toi, SCLO Nepanda, hein, bonjour et bienvenue, et tu donnes tout de suite la bonne réponse, effectivement c'était Shogun, et ce sont donc les viewers qui débloquent leur deuxième level. GG à toi, Shogun, pour avoir fait remporter le deuxième level. Effectivement, série qui s'appelait donc Shogun, une série de 80 avec Richard Chamberlain, se situant au XVIIe siècle. Enfin voilà. Émission télé. Quelle émission jeunesse luxembourgeoise présentée par Marilyn Bergman et Jean-Luc Bertrand était diffusée de 80 à 84 sur RTL TV? J'étais pas né, moi, à cette époque. T'es pas la mer noire. La mer noire. Non, j'ai pas. Là c'est une sèche complète. Là. Non. 60, ça va être encore pire, parce que là, je pourrais aucun. Alors, ce n'est pas Après-midi machin, ce n'est pas L'école buissonnière, ce n'est pas Bienvenue chez vous, ni Bienvenue chez nous. Ni bonjour les zouzous. Là c'est RTL TV. C'est une émission de jeunesse luxembourgeoise. Il reste 20 secondes. Je vais pas. Non, on va te sortir tout et n'importe quoi. Ce n'est pas tête à tête. Jurassic World numéro 2. Ce n'est pas Bienvenue. Je dis ce n'est pas Jurassic World. Et fin
du timer, l'émission jeunesse de 80 à 84 sur RTL TV présentée par Mylène Bergman et Jean-Luc Bertrand se nommait Citron Grenadine. Se nommait comment? Citron Grenadine. Citron Grenadine. Eh oui, c'était un truc pour les mômes, hein. C'était un machin pour les gamins, hein. Ils vont pas appeler ça l'étude psychosociologique de la reproduction chez le suricate, hein. Voilà, ils vont pas... Citron Grenadine. On est maintenant au niveau 4, hein. 1960 à 70, cinéma. Quel film de... Donc c'est pas toi, hein, Costa. Mais quel film de Costa Gavras, sorti en 65, était un film policier avec Simone Signoret et Yves Montand? Merde. J'ai déjà vu. Si bien par contre, j'aurais pu savoir la réponse. Louis la Brocante, le film. Non, Bigard, ce n'est pas Louis la Brocante. Après Louis la Brocante, Stallone Vigrenier. Ah, c'est pas mal ça par contre. Là j'ai plus. Ah, j'essaie de chercher mais là j'ai plus. Donc film de Costa Gavras sorti en 65 avec Simone Signoret et Yves Montand, c'est un film policier. Les valseuses, non c'est pas les valseuses. C'est effectivement compartiment quelque chose, mais là je n'accepte pas avec seulement un mot. Ah oui, je viens le voir, Costa. Oui, mais merci, oui, mais j'avais pas vu. Compartiment tueur, effectivement. C'est Costa qui marque la bonne réponse. Compartiment tueur, j'avais pas vu ta réponse, pardon, Costa. Série télé, quelle série française de l'ORTF, hein, donc ça date, hein, fut diffusée de 65 à 70 et met en scène les aventures d'un canard caractériel? Calimero. Non, Calimero n'est pas un canard. Non, on s'en fout, c'est vrai. Ce n'est pas arabesque. Donald Duck. Non, ils vont faire tous les canards sauf canard. Le bon. Alors ce n'est pas Maturnin, mais on n'est pas loin. Saturnin. Oui, Saturnin, c'est bon, non, trop tard, c'est Saturnin. Maturnin, je ne pouvais pas l'accepter, hein, bien sûr. C'est le nom de canard. Mais là, ouais, le point est à Piu-Piu. Qui a réussi à rebondir sur la faute de frappe d'Odysseus, hein, qui disait Maturnin, hein, Maturin, ou je sais pas d'ailleurs, dit des trucs étranges. Il marchait Saturnin, mais il s'est loupé. Ouais, c'est ça, il a dû se louper. Dernière question pour cette manche. Quelle est cette émission dont la dernière diffusion sur la RTF fut le 30 mai 1961, où Bernard Hetsch, son présentateur, voulait divertir les enfants durant leur jour de repos, qui était un jeudi? C'est pour ça que et j'ai précisé que c'était un jeudi parce que le mot jeudi est important. Salut le jeudi. Ce n'est pas sucer un abricot ni aspirer un concombre. Ce n'est pas le jeudi, tout est permis. Non, mais par contre, en mettant jeudi dans la réponse, vous êtes sur la bonne voie, effectivement. Le retour du jeudi. Non, ce n'est pas le retour du jeudi. Ni la revanche des jeudis. Ou le jeudi, on s'éclate. Non, encore 20 secondes. Et salut à toi, Nahalem. Nahalem, pardon. Ben non, ce n'est pas jeudi récréatif. Quand je dis quelque chose, on m'écoute. 5, 4, 3, 2. 1 et 3 de bonnes réponses. Et donc, cette émission, hein, qui était diffusée du 30, enfin, qui s'est arrêtée, hein, pardon, sur la RTF le 30 mai 61, qui était présentée donc par Bernard Hetsch, et je sais même pas qui c'est ce mec, enfin bref, et qui avait pour but de divertir les gamins qui à l'époque étaient en congé le jeudi, hein, plutôt que le mercredi plus tard. Se nommait tout simplement le club du jeudi. Le club du jeudi. Et donc ben là ce sont les viewers, hein, qui remportent la partie avec 3, 6, 7 points. GG les viewers. Vous voyez que vous pouvez gagner, hein, Alors là, vous pouvez remercier vous pouvez remercier Costa qui a donné énormément de bonnes réponses.
Ouais, moi je ramène. Moi j'y vais Ah. pour un food coaster. Ah, on s'en refait une? Allez, on s'en fait encore une petite. Et puis après, Allez. soit je couperai, soit on partira sur du délire, mais peu importe. C'est pas gênant ça. T'as perdu Alors, quelques jours pourquoi pas, pourquoi pas? Un peu rigolo. Oh. Ouais, ça peut aussi Bah, histoire du de coup, je s'amuser, laisse ma place à Abby. Abby va ramener son cul maintenant. Abby hein. voulait que je vienne, maintenant il va ramener son cul. Allez, Abby, c'est à toi, t'es désigné d'office. De quoi? Bah, tu ramènes Et quoi, comment, l'histoire. qu'est-ce que se passe-t-il? Allez, si, Salut à non, toi, mais Boudin! si. Comment vas-tu, Médakine? À part si quelqu'un d'autre veut venir, Voilà, merci. après, hein, si l'un d'entre vous veut affronter les viewers, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Hein. Ah, mais moi je suis très. C'est quoi les questions qui vont arriver? Bon. Ouais, ça va, c'est pas. Ouais, là, ça Ah, je suis va. très dans tes films de merde, hein, quand même. Hein. Là, faut aimer Star Bah Wars. ouais, petit truc. Et merci beaucoup pour le host! Ah, mais tu veux te prendre la gueule, elle sort hier, je me suis regardé juste pour le fun. Viens chez moi, j'habite chez une copine et Ah casse-toi, tu. là là Salon mort. là. Et ça va bien, Buda, ça va bien, merci. Alors, qui veut venir? Pas avoir peur. Faut pas avoir peur. N'ayez Bah, point au peur. pire, à Vigor, tu fais comme Costa, tu mets pas le micro. Oui, voilà, je lui fais à l'écrit. Je viens de me lever donc mauvais plan. Non mais moi il a fallu que je me lève quand même un peu plus tôt, quand même mine de rien. Hein, Après, avec Javi, c'est un peu dangereux parce que toutes les Ah, habits, c'est Walmart, la télé chez lui Walmart, dans chez les Walmart culs. veut bien. Ah Bah oui, non, écoute, c'est délire. Walmart, je sais plus si tu es déjà sur mon Discord, mais dans tous les cas, je te passe le lien. Hein, donc voilà, il est tout en bas. Sinon tu le trouves également dans les informations de la chaîne. En descendant, t'as un panel Discord, il suffira de cliquer dessus pour accéder au Discord. Et bah je t'attends. Je t'attends, Walmart. Alors, est-ce que tu es arrivé? Est-ce que tu es déjà là, déjà? J'ai peut-être déjà vérifié ça. Non, je suis là. En plus, j'ai le petit à côté qui que j'essaie de canaliser pour essayer qu'il fasse des Il te conneries. soufflait même pas les bonnes réponses, c'est n'importe Non, t'es là, allez, fais le con et souffle les bonnes réponses. Ah oui, Chavez, pardon. Voilà, donc maintenant tu peux accéder au salon où il y a Piu-Piu et moi, le salon GTV. Et puis moi je vais vous abandonner et je reviendrai peut-être tout à l'heure. Est-ce que Allez! tu m'entends bien? Tout Chavez, hein, alias Walmart. va Ok, parfait, qui dit parfait. Donc, ma piou-piou, hein, je vais faire comme avec Costin, je t'enlève le rôle donc de bien. Ouais. participant et voilà, je te switch avec Costa dans Viewer. Ah, marche. Vas-y, voilà, parfait. Et on est donc parti pour cette troisième et dernière manche. Après, on fera certainement un autre truc, on partira sur un autre délire, hein, pourquoi pas. Hein, passer des vidéos de merde, des trucs comme ça, comme j'aime faire. Alors, est-ce que tu es prêt? Oui, on va la sticker cette manche. Après, faut pas trop que ça gicle non plus parce que c'est dégueulasse, faut nettoyer et tout. Alors, on y va. Cinéma, on est en niveau 1, hein, de 2010 à nos jours. Quel est ce western de Quentin Tarantino sorti en 2013 avec Jamie Foxx et Christoph Waltz, racontant hein, le parcours d'un chasseur de primes et d'un homme noir? Et c'est Django Unchained, effectivement. Walmart marque son premier point. Très bien. On continue, on continue, on continue. Très très bon film hein, d'ailleurs, Django. Moi j'aime beaucoup. Et puis la bande son est juste extraordinaire. Et oui, DCO, c'était effectivement Django. Oui. Série télé. Quelle série de 2016 situe son action en 83 à Hawkins dans l'Indiana où il se passe d'étranges phénomènes? Et ce n'est pas X-Files. Ni Lost.
Et oui, c'est les viewers qui marquent le point grâce à 10 et 12, puisque c'est Stranger Things. Un point partout. Très bien, Stranger Things. Émission télé maintenant. Quelle émission présentée par Jean-Luc Reichmann sur TF1 depuis 2012 fait s'affronter un candidat à 100 autres pour remporter le jackpot? Ce n'est pas les 12 coups de Mehdi. Ce n'est pas seul contre tous. Il y a une histoire de mur, effectivement. Mais c'est pas le mur. Le mur, c'est de Chavannes, c'est pas Reichmann. Ce n'est pas un contre 100. Les 12 coups de midi non plus. Il reste 30 secondes. Ce n'est pas attention à la marche. Pensez au fait que je viens de dire que le mur rentre dans le. Dans la réponse, mais ce n'est pas et pas le mur. Oui, Costa, au pied du mur, effectivement. Au pied du mur. Deuxième point pour les viewers. Effectivement, c'est donc au pied du mur. C'est vrai que c'est un truc qu'on ne connaît pas forcément. Niveau 2. Ça se complique. En 97, à quel cinéaste doit-on Arlette avec Josiane Balasco et Christophe Lambert? Ce n'est pas Daniel Auteuil, ni Audiard. Balasco et Lambert, oui. Josiane Balasco et Christophe Lambert. Lambert qui fait une espèce... En gros, c'est Pretty Woman, mais à la française. Hein. Donc, faut pas trop chercher. Oui, c'est Costa, c'est effectivement Claude Zidi. Costa qui, grâce à cette réponse, débloque le premier niveau pour les viewers. Très bien, très bonne réponse. Claude Zidi, oui, qui est donc le réalisateur hein, de Arlette. Film assez marrant quand même, hein, c'est rigolo, hein, je vous le conseille quand même pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Il est marrant. Qui interprète le rôle de Spike dans la série télé Buffy contre les vampires? Ouais, Zidi, il s'appelait Zidi. Ce n'est pas Wilson Lambert. Ce n'est pas Mathers. Ce n'est pas Michel. Ce n'est pas Lambert Wilson. Ce n'est pas Zellar. C'est James Masters. Et effectivement, on est pas là, c'est James Masters. Très bon acteur, hein, très très bon acteur. Moi j'aime beaucoup hein, ce personnage. Hein, qu'on a vu dans d'autres feuilletons. Hein, par exemple dans Torchwood, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu là, Torchwood. Il apparaît à plusieurs reprises dans cette série britannique. Il apparaît également dans un des épisodes de... Merde, comment c'était En fait c'était au-delà du réel, voilà, cherchez le mot. Au-delà du réel, ouais, dans Smallville aussi, voilà. Il fait beaucoup, beaucoup de petits rôles. Hein, pas forcément récurrents. Parfois oui, parfois non, mais c'est un très très bon acteur. Émission télé, maintenant, on est toujours au niveau 2, donc de 90 à 2010. Quel jeu télé diffusé depuis 88 sur TF1 fut de 89 à 92 présenté par Philippe Risoli? Le champion du lancer de micro. Et non, ce n'est pas le juste prix. Ah, petit indice, ce n'est pas la famille en or. C'est un jeu où, en fait, le but est de trouver la question. Et oui, Costa, c'est Géopardy, effectivement. Bon, ça s'écrit pas comme ça, mais oui, c'est Géopardy. Qui c'est vrai que ça aurait pu. Ou question-réponse aussi d'ailleurs. Niveau 3. Cinéma. Quel film réalisé en 1980 par Irvin Keschner est la suite du film de 77 de George Lucas? Elle est facile, de chez facile celle-là. Et ce ne sera certainement pas les Avengers. Oui, mais lequel Walmart, lequel de Star Wars? Alors ce n'est pas Dune.
Oui, mais c'est-à-dire. Eh oui, c'est l'Empire contre-attaque, effectivement. Walmart marque le son second point. Rien n'est joué encore, hein, rien n'est joué. Et c'est effectivement donc Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque. Série télé, quelle série de 85 à 94 met en scène le destin de deux amis, Ori Men et George Mazar, se retrouvant hein, dans des camps opposés durant la guerre de sécession? D'ailleurs, c'est une bonne série. J'y avais jeté un œil. C'est une très bonne série. Ce n'est pas MacGyver. Deux amis qui se retrouvent dans les camps opposés durant la guerre de sécession. Et oui, effectivement, Onépanda, c'est le nord et le sud. Ou alors nord et sud. Hein, mais c'est la bonne réponse. Et ça permet de débloquer le niveau 2 pour les viewers. Effectivement, nord et sud, ou le nord et le sud, c'est une très très bonne série également. C'est vraiment. À moindre effet quand même, mais on est malgré tout dans l'esprit Band of Brothers, hein, donc c'est vraiment très intéressant. Quelle émission jeunesse présentée par Claude Pirard de 80 et 87 était diffusée sur TF1 avec, entre autres, hein, comme personnage dans cette série, dans cette émission, Isidore, hein, Clémentine et Arsinoé le Hérisson. Non, ce n'est pas le Club Dorothée. Ce n'est pas le père Castor avec Isidore, Clémentine et Arsinoé le Hérisson. Et ce n'est pas. Non, je ne. Oui, Costa, c'est Croque Matin. Pas Matin, mais on n'est pas loin. J'ai failli me faire avoir, mais ce n'est pas Croque Matin, ce n'est pas Croque Madame ni Croque Monsieur. Croque quelque chose, il reste 30 secondes. Croque soir, croque après-midi, croque vacances. Voilà, Costa. Et effectivement, c'est Croque-Vacances. Croque-Vacances. Une émission que plus personne ne connaît aujourd'hui. Ça aurait pu être Croque-moi le cul, mais ça aurait pas été pour les enfants, pour le coup. Ou alors seulement dans le service papal. Hein, mais pas ailleurs. Hein, pas sur les chaînes hein, de chez tout le monde. Style TF1, France 2, France 3, France 4, machin. Non, c'est. Non. Là, uniquement la télé papale aurait pu avoir une émission pour la jeunesse hein, qui se nomme Croque-moi le cul. Mais au-delà, non, c'était pas possible. Niveau 4. Niveau 4 cinéma, quelle est cette comédie musicale de 1966 de Robert Wise avec Julie Andrews, Christopher Plummer, dans laquelle un veuf, un quoi? J'arrive même pas à me relire, c'est horrible. Un veuf hein, verra sa vie menacée par le charme d'une gouvernante. Et ce n'est pas R. Ce n'est pas West Side Story, ce n'est pas Grease, ce n'est pas Peplum, ce n'est pas Dirty Dancing, ce n'est pas Ben Hur. Et GG pour les levels, ce n'est pas My Fair Lady, ce n'est pas Mary Poppins ni le Magicien d'Oz. On est en 66 avec Julie Andrews et Christopher Plummer, hein, un veuf qui voit sa vie menacée par les charmes d'une gouvernante. Et ce n'est pas Footloose, ce n'est pas Ghost, ce n'est pas au pire, j'en sais rien, ce n'est pas Sissi, l'impératrice, ce n'est pas Arabesque. Il y en a un qui aime beaucoup Arabesque, je trouve, c'est Abigor. Hein. Depuis tout à l'heure, il cite Arabesque à toutes les questions. Hein. Dès qu'on arrive au milieu des années 80, ça y est, c'est Arabesque, Arabesque, Arabesque. Ah là 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 là, ce n'est pas Angélique, ce n'est pas Arabesque en levrette. Bah écoute, faut aimer aussi le troisième âge. Hein. Mais ce n'est pas la mélodie. C'est la mélodie du bonheur, oui, Costa, c'est la mélodie du bonheur, effectivement. Il y avait tellement de mauvaises réponses, j'ai failli me faire avoir. Série télé, quelle série de Jay Sommer fut diffusée sur CBS de 65 à 71 avec Eddie Albert dans le rôle de Oliver Douglas, avocat new-yorkais, décidé à changer de vie? Et ce n'est pas Parker Lewis, ce n'est pas le Jacques, ce n'est pas Arabesque. Donc,
Jay Summer, hein, diffusé sur la CBS le 65 à 71 avec Eddie Albert dans le rôle de Oliver Douglas, un avocat new-yorkais qui veut changer de vie. Et ce ne sont pas les intrépides, ce n'est pas Kojak, ce n'est pas Daredevil, ce n'est pas New York Enquête Criminelle, ce n'est pas les Barbapapa. Il reste 20 secondes. Ce n'est pas les Shadocks, mais ça aurait pu. Ce n'est pas Je sèche, ce n'est pas. Oui, Costa, les arpents verts, effectivement, les arpents verts. Et Costa, encore une fois, grâce à lui, vous débloquez, vous les viewers, le troisième palier. Bravo, bravo. Je vais jouer à toi, Costa. Dernière question, hein, on peut dire, bon ben, Walmart, que tu as perdu, mais pour le fun, on va faire la dernière question. Quelle était l'émission diffusée sur la RTF et présentée par Jacques Grélot, Rebecca Roca et Pierre Tchernia, et qui était une émission satirique qui prit fin le 5 novembre 1960? Alors, ce n'est pas Arabesque, hein, bien sûr, ce n'est pas Fluide Glacial. Ce n'est pas. Ah, ça aurait pu être Harakiri, mais non, Harakiri c'était le professeur Choron, là, je sais pas quoi, là. Choron, oui, merci. Mais non, 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 du tout. Ni Groland, ni le Vintage 20, c'est une émission satirique avec Pierre Tchernia qui s'est terminée le 5 novembre 1960. Ce n'est pas le Seigneur des Annales, là. Mais ça aurait pu. Émission satirique. Avec Pierre Tchernia. L'annale des seigneurs non plus. Ce n'est pas arabesque. Fin du timer, et la réponse était tout simplement, enfin tout simplement, disons que les mots hein, pour former le titre sont très cons, mais bon, faut trouver quand même le, hein, c'est, voilà, une émission qui s'appelle La Boîte à sel, faut quand même, hein, c'est quand même l'objet hein, qui sort d'un brainstorming intensif, hein, je dirais, pour en arriver là, hein, parce que La Boîte à sel, disons qu'il faut la pondre, hein, cette phrase. Et donc, ce sont les viewers qui remportent cette troisième partie. Hein, ils ont remporté deux parties sur les trois qu'on vient de faire. Donc, bravo aux viewers qui, au final, ont gagné l'émission, hein, puisqu'ils ont gagné deux sur trois manches. Deux manches. Voilà, je vais arrêter là. Merci à tous hein, d'avoir été présents, d'avoir participé aux Générations TV du début d'après-midi, puisque après quelques débuts très très chaotiques, on a enfin réussi à lancer le jeu. Et sur Jean-Michel Fœtus, je vous quitte, vous souhaite une très bonne fin de week-end. Merci encore une fois à tout le monde et on se retrouve bien sûr demain pour. Je vais certainement programmer quelques petits trucs parce que demain normalement il n'y a rien. Donc je vais mettre des machins, on verra. Sans doute des petites conférences histo, pourquoi pas. Et ensuite Ciné Gaming, alors Ciné Gaming cette fois-ci pour la semaine qui arrive, Ciné Gaming, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va avoir mardi Rise Son of Rome, mercredi Mad Max et Mass Effect Andromeda pour jeudi. Et si je ne raconte pas de bêtises, on va se retrouver le dimanche pour un question pour un viewer, qui sera le dernier du mois de juin d'ailleurs. Puisque le prochain ce sera au mois de juillet. Donc dimanche question pour un viewer et Ciné Gaming habituellement hein, du mardi au jeudi soir. Et demain certainement des conférences ISTO durant la journée et en soirée. Le documentaire sur le Manga Mania sera quant à lui diffusé le 18, donc lundi, pas qui vient, celui d'après. Donc il est monté, il est prêt, il est déjà programmé, donc il va se lancer très tout seul. Donc on va se faire un petit raid chez Geeks by Girls, hein, puis comme je le disais tout à l'heure, histoire de faire un petit coucou à notre ami Fraiseberry qui était présente en début d'émission. Et on va y aller, bonne fin de journée à tous, merci beaucoup et à bientôt, c'était donc LCR.